Bonjour et bienvenue, Salon du Bourget, 51e édition, 7e jour. Depuis la superbe terrasse du musée de l'air et de l'espace qui domine l'extrémité du statique, eh bien on peut faire une espèce de bilan. D'abord, jamais le Salon du Bourget n'a connu un tel succès sur le plan professionnel. Plus de 2200 entreprises étaient présentes. On a vu aussi un certain nombre d'avions notables, d'avions nouveaux notables, comme par exemple les CS-100 et CS-300 moyens courriers canadiens ou le GF-17 pakistanais. Mais surtout, on a vu en vraie grandeur l'Airbus 350. L'important, c'est d'avoir constaté l'incroyable vitalité d'un monde aérospatial planétaire, désormais véritablement planétaire. C'est aussi de se dire, d'avoir constaté qu'il va y avoir des concurrences de plus en plus exacerbées. Mais c'est aussi de savoir que des positions dominantes vont se renforcer jusqu'à devenir de véritables empires industriels planétaires. Alors, Saint-Ex l'Ancien dirait « et l'homme dans tout ça ». Ben finalement, quand on est ici, ça rassure plutôt. Parce que si l'homme est toujours au cœur des problèmes, eh ben l'homme est toujours au cœur des solutions. En fait, plus ça change, plus c'est la même chose. Bonjour à tous et bienvenue sur la terrasse du Musée de l'air et de l'espace du Bourget, prêtée généreusement par la directrice du Musée de l'air et de l'espace du Bourget, Catherine Monory. On lui fait une bise à Catherine d'ailleurs. On fait une bise à Catherine qui vient de voler d'ailleurs il y a quelques instants, ou qui va voler peut-être encore, pour ce nouveau numéro de La Croûte et Buffet. Salut Captain Buffet et Captain La Croûte. Salut Fred. Salut Fred, à la plage aujourd'hui. À la plage aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler Bourget forcément. Bien sûr. Avec des produits de la mer, entre autres. Et puis des BD surtout. Des BD pour commencer. Des BD qui parlent Bourget. Qui parlent Bourget, qui parlent histoire de pilote avec notre invité Franck Coste, qui est le directeur de la société ID+, qui développe tous ces concepts de BD aéronautique. BD Franck, historique. BD historique. Quelle est l'initiative? Qu'est-ce qui a amené à faire cette série? Cette série a démarré suite à l'écriture de l'histoire de l'aéronautique. On s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme à développer des BD sur les grands pilotes de l'histoire. Donc avec une BD consacrée donc au Bourget, dont on a fêté l'an dernier les 100 ans. Avec Lindbergh. Avec Lindbergh. Enfin, on n'a pas fêté les 100 ans de Lindbergh. Qui s'est posé là en face. Grande figure. Pégou, le premier qui est passé sur le toit, sur le dos. Et puis, qui d'autre encore? Alors nous allons retrouver Nagesser, Garros, les frères Wright, et ainsi que des tomes avec les 12 premiers brevets de pilote qui ont été attribués en 1909. Voilà, donc, mais une qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est celle consacrée donc. Celle-ci. Et le numéro 4, Lindbergh. Et nous ne lisons que des BD lorsque nous sommes à la plage, en ce qui nous concerne. Vous savez que nous sommes donc sur la terrasse du Musée de l'air et de l'espace du Bourget. Alors attends, avant, moi j'aimerais bien voir l'avenir d'ID+, le prochain bouquin. Le prochain bouquin, c'est tout simplement le lancement de nouveautés avec l'histoire de Patrouille de France que je vous ai amené pour vous faire une belle petite dédicace. Ça, c'est gentil. Voilà, donc c'est à tome 1, il y aura toute une série, il y en aura d'autres derrière. Oui, bien sûr, il y aura une série en fait qui est lancée, un album par an avec la Patrouille de France. Merci Franck. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup Franck. Alors on va parler gastronomie maintenant. Aujourd'hui on va s'intéresser à la gastronomie du Bourget. Que mange-t-on au Bourget, Capitaine Buffet? Alors ça c'est... Au Bourget, mis ça, à part... c'est pour qui? Quelques moules rapportées de contrées lointaines, de Miami par exemple. Miami. Ouais. Voilà, ça c'est ce que l'on peut trouver sur le Salon du Bourget quand on est dans le public. Au public. Alors vous avez goûté les frites? Oui, les frites sont bien. Elles sont frites. Elles sont très frites. Oui. Mmh. Mais moi j'aimerais bien qu'on s'intéresse aussi à ce que l'on peut servir, à ce que l'on peut trouver. Du côté des chalets. Du côté des chalets. Alors, ça c'était un kebab. Et puis du côté des chalets, là, c'est du restaurant gastronomique. Du côté, c'est tout simplement. Quel est le traiteur? Ce plat nous vient directement du chalet d'Assaut. D'Assaut qui a bien voulu
Merci. Qui a bien voulu participer. Voilà ce qu'on mange. Est-ce que vous savez combien de... Merci beaucoup. De repas sont servis chaque jour pendant le salon? Non, j'ai sur aucune un chalet idée. Comme par pas exemple, du tout. Et puis on va faire le calcul. Alors, vas-y. Allez, 300 repas par jour. 300 repas bien. Par jour. Pour un chalet, fois... Fois 30 chalets. 30 chalets. Faites le calcul. 9000. 9000, voilà. Et on va goûter. Et puis 9000 sur la semaine. Et puis tous les jours, 9000. Qu'est-ce que c'est? Du crabe avec une petite mousse. Goûte ça. Très bon. Très très bon légume. Voilà. Et du poisson. On reconnaît la pâte d'un grand traiteur parisien. Potel et Chabot. Potel et Chabot, historique Potel et Chabot. Depuis 1820, quand même. Hein, historique qui fait 80% sur les événements. Des repas préparés sur, oui. Sur le salon du sur Bourget. Sur le salon du Bourget. C'est plus de 150 personnes pendant ce salon du Bourget. Oui, et un hommage aux chefs de Potel et Chabot qui sont très créatifs, qui ont un point de vue sur la cuisine qui est souvent lié à l'événement, puisqu'ils couvrent beaucoup d'événements. Et là, bah, vis-à-vis de l'aéronautique, on retrouve quand même un certain nombre de plats. Des plats très aériens. Des plats très, très aériens. Là, ils sont plutôt marins, ceux que avec nous avons mousse, ici, mais voilà, un peu d'écume. D'écume. Qui pourrait être notre écume lorsque, avion de ligne, nous volons à travers les 10 000 mètres d'altitude où nous naviguons. Donc vous ne lisez pas que des BD? Non, évidemment non, pas bah, bien que, sûr que des non. BD. Parfois des livres historiques aussi. Oui, aussi. Avec des livres, je crois que c'est très important de le souligner, qui font référence aux femmes. Aux femmes. Et en particulier aux femmes qui ont conquis le ciel, puisque... Elles ont la capacité de conquérir nos cœurs, mais aussi de conquérir le ciel. Ici, ces nous avons... qui ont marqué l'aéronautique française, mondiale. Donc, ce livre qui parle des 100 femmes, on pourrait en rajouter une, d'ailleurs. Catherine Monory. Est-ce tout que Catherine fait. Est dans le livre? Catherine Monory, puisque nous non. sommes toujours donc, sur la terrasse du musée de l'air et de l'espace elle du Bourget. Sera dans la prochaine édition la prochaine des 101 femmes qui ont marqué. 101 femmes voilà. qui ont conquis le ciel. Là, ça s'arrête à Claudie Aigneret. Et alors, c'est Artaud, les éditions Artaud qui publient ce livre. Les éditions Artaud, tout à fait. Nous avons mis en avant eh bien, une de nos chouchous, on va dire. On en parle assez peu souvent. Adrienne Bolland, pourquoi? Adrienne Bolland. Tu connais Adrienne Bolland? Bien sûr. Bien sûr, mais... Tout le monde ne connaît pas Adrienne Bolland. Et je crois que nous avons demandé en tout cas à une invitée de venir nous parler. Qui la connaît bien. Martine Laporte. Martine Laporte qui va nous rejoindre pour nous parler d'Adrienne Bolland. Installez-vous sur la plage, Martine. Martine. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Qui était Adrienne Bolland pour ceux qui ne connaissent pas? Ah bah Adrienne Bolland, c'est un peu l'ancêtre des pilotes d'essai et des pilotes de raid. Et elle a accompli un formidable exploit le 1er avril 1921, c'est-à-dire qu'elle avait 13 mois de pilotage et 40 heures de vol. Et elle a franchi la cordillère des Andes sur un Caudron G3 en bois et en toile avec un moteur un de 80 chevaux. Un Caudron G3, c'était un avion de la guerre, oui. Qui normalement n'est pas du tout fait pour monter à ces altitudes-là. Non, pas du tout. Et certainement pas pour franchir la cordillère des Andes. C'est l'équivalent d'un Solex, ça fait plus que 30 ou 40 chevaux. Voilà, et elle a réussi quand même à franchir la cordillère des Andes. Et je crois que comme c'était un 1er avril... C'est un événement marquant et je crois que la personne qui représentait la France à l'époque a cru que c'était une blague. Absolument, absolument. L'ambassadeur de France à Santiago, au Chili, ne s'était pas déplacé. Bon, après, quand, bien sûr, quand il a vérifié qu'il a vu que c'était vrai, il s'est déplacé dans l'après-midi, il s'est excusé. Mais elle a été accueillie uniquement par les Chiliens et les Argentins. Alors moi, il y a un parti pris que je trouve vraiment fabuleux, c'est de faire ce livre à la première personne. Donc, Ces jeux, donc vous mettez à la place d'Adrienne Bolland, c'est oui, ça? Oui, je me suis mis dans la peau d'Adrienne. Bon, j'ai beaucoup étudié. Bon, je suis très souvent en Argentine, donc j'ai eu beaucoup de documents à Buenos Aires, que ce soit aux archives, dans les journaux. Et donc je me suis mis dans la peau du personnage. D'où ma question, qui est Martine Laporte? Qui est donc l'auteur? Une descendante l'auteur. D'Adrienne Bolland? Non, pas du tout, pas du tout. Non, une non, réincarnation d'Adrienne? Non, non, je m'intéresse à l'aéronautique depuis seulement 10 ou 12 ans à peu près. Je fais partie de la fondation Latécoère et c'est vrai qu'habituellement, mon domaine de prédilection, ce sont plutôt les lignes Latécoère et l'aéropostale. Et bon, je vais très souvent en Argentine, comme je vous ai dit, et là-bas, on parle encore beaucoup d'Adrienne. C'est alors vrai. En France, elle est complètement oubliée. Et Latécoère qui avait une phrase que je trouve extraordinaire, que j'ai fait mienne. Ah oui. C'est une phrase qu'aurait pu dire Adrienne, effectivement, ouais. C'est « j'ai refait tous mes calculs, c'est irréalisable,
il ne me reste plus qu'une chose à faire, la réaliser. Et elle l'a réalisé. Elle l'a réalisé. Elle l'a. Très bel ouvrage. C'est la première biographie d'Adrienne Bolland. Oui, je crois. Il y a eu quelques articles parus dans Icare, deux dans Icare, et puis dans des livres, là, en l'occurrence, le livre de Bernard Marc. Sinon, il n'y avait jamais eu de biographie sur Adrienne. Et bravo. Aussi, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. C'était qui ? Ça, c'était toi, Guillaume. Guillaume, bien, Capitaine. Merci. Juin 1930. Buffet. Laguna Diamante. Même chose. Donc, c'est aux éditions. C'est aux éditions Villa-Lobos. Voilà, Adrienne Bolland, la déesse des Andes, et puis elles ont conquis le ciel aux éditions Artaud. Artaud, on boit le thé ? Ben oui, et on va rester dans le terrain de jeu d'Adrienne Bolland. On va rester dans les pays andins. Et volontiers, merci beaucoup. Alors ça nous vient d'où ? Alors ça nous vient du Pérou, mais ça pourrait venir d'Argentine, de Bolivie, ça pourrait venir en fait de tous les pays andins, puisque le maté des coca sont des feuilles de coca qui sont préparées en infusion, qui peuvent être préparées également froid. Nous, on va le prendre en tant qu'infusion aujourd'hui, qui peuvent également être préparées en tant que cocktail, avec des spécificités pour ces feuilles de coca. Alors, avec Philippe. Des spécificités qui, effectivement, permettent de ne plus avoir mal à la tête, parce que quand on est en altitude, on est au-dessus du Mont Blanc quand on est au Pérou, par exemple. Et quelque chose que j'ai eu l'occasion de pratiquer en allant courir après des lamas, vigognes ou autres alpagas. Et on court pas très vite, enfin pas longtemps tout du moins. Et le coca permet de ne plus avoir mal à la tête. Autre particularité, les articulations. C'est excellent pour les articulations. Oui, c'est excellent pour les articulations. Lorsqu'on a passé 8 heures ou 9 heures dans un poste de pilotage, par exemple, messieurs, vous buvez ça. Et on boit ça, oui. On doit préciser quand même que bien qu'il y ait marqué coca, c'est tout à fait légal. Et comme on dit en Bolivie, coca si, cocaïna non. Voilà, très bien. Mais c'est pas mauvais. Hein, c'est bien. Hein. Alors c'est un petit goût. On a essayé de déterminer ça, de trouver le goût qui correspond. On cherche un goût coca en fait, mais ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Ça a le goût de la pelouse. Lorsqu'on a tondu et ce qui reste sous la tondeuse. Vous savez, il reste toujours des choses sous la tondeuse. Vous allez souvent voir ce qui reste sous votre tondeuse. Oui, parce que c'est son grand jeu. C'est son grand jeu. Ça bourre. Dès qu'il y a une hélice, il y a une tondeuse, il y a une hélice, il est passionné. J'y penserai la prochaine fois que... Voilà, donc... Ce qui reste sous la tondeuse. Donc maté, voilà, ça s'appelle du mat de coca. Maté de coca. Maté de coca. Et on reste dans la région d'Adrienne. Ce qui reste sous la tondeuse lorsque vous tondez la pelouse. Voilà. Merci messieurs. Avec plaisir. On vous retrouve très bientôt, Capitaine Lacroute, Capitaine Buffet. Merci, à très vite. Fred, à bientôt. Merci Martine. Éric Magnan prépare pour l'automne prochain un grand documentaire dont on peut dire qu'il s'agit d'un manifeste dédié à la beauté et à la majesté qui sous-tendent l'art de voler. Voler n'est pas un concept simple. C'est à la fois très naturel car les oiseaux sont chez eux dans le ciel, mais aussi totalement artificiel car pour voler, il a fallu que les hommes inventent des oiseaux mécaniques. Du planeur le plus simple au vaisseau spatial intercepteur de comètes, toutes les machines volantes sont autant de défis à la médiocrité. Voler exige de tous les composants d'un engin, y compris de son équipage humain, une recherche de la perfection. La perfection ne s'atteint pas et ne s'atteindra sans doute jamais, mais on peut essayer et ce faisant, on approche de la beauté ultime. Le ciel est un lieu magnifique et magique. Ceux qui s'y aventurent s'offrent une sorte de bande-annonce du paradis. Il se confronte ce faisant aux limites humaines et de là naît une modestie naturelle et un respect sincère des vérités fondamentales.
Désormais, un monde dans lequel on ne volerait pas serait voué à disparaître. Désormais, on vole pour vivre et même pour survivre. Les hommes se sont dotés d'ailes. On ne sait pas désinventer ce qui a été inventé. Voilà, le moment est venu de clôturer notre jeu organisé avec nos amis de Breitling. Et je vous rappelle qu'il s'agit de gagner un chrono Breitling Aerospace d'une valeur de 2900 euros en répondant à 7 questions, 7, 5 plus 2, postées sur notre page Facebook ce dimanche 21 juin entre 20h et minuit. L'indice du jour. Il paraît que j'ai pour habitude, à la fin de chaque intervention, d'utiliser une certaine formule. Breitling, Instruments for Professionals. Le Salon du Bourget 51e édition est donc terminé. Vous pourrez le revisiter en utilisant la fonction replay sur Aerostar. Mais je voudrais terminer en disant une chose. Ceux qui ont fait le véritable boulot ici pendant toute la semaine, c'est cette équipe, des filles, des garçons, qui ont passé toute la semaine accrochés à leur caméra, accrochés à leur micro, accrochés à leur bande montage. Ce soir, ils sont crevés, moi aussi d'ailleurs, mais tout le monde est fier dans notre équipe. On est fier de vous avoir amené dans cette manifestation extraordinaire qui ne se produit qu'une fois tous les 2 ans. En tout cas, toute mon équipe, je peux leur dire qu'ils ont mon respect et mon admiration. On va donc se quitter, on se retrouve bien sûr sur Aerostar au quotidien. D'ici là, reposez-vous, mais aussi si vous volez, volez prudemment.